Bonsoir à tous, bienvenue pour ce rosaire où nous allons prier pour demander au Seigneur un miracle pour le monde, un miracle pour nos vies, pour vos vies personnelles. Alors avant d'entrer dans ce rosaire, si en ce moment c'est difficile, vous avez peur du lendemain, vous êtes dans des difficultés terribles, eh bien je vous recommande de regarder la dernière émission qui est sortie, l'émission Carrément Bien, avec le témoignage très fort du Père Elias qui est juste ici, qui était capitaine dans l'armée, dans les agents secrets. Miracle sur miracle, protection surnaturelle, de protection surnaturelle pendant la guerre. Il va arriver ensuite en France avec toute sa famille, il va être fauché par une voiture, enfin que des drames, comme on dit, un malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Et puis un jour il va voir la Vierge Marie de ses yeux et recevoir cet appel à devenir prêtre par la suite. Donc une histoire digne d'un film, mais une histoire vraie. Dans la description et les commentaires, vous avez le lien de la vidéo et je peux vous dire que ça redonne l'espérance, donc allez-y sans modération. Donc également, vous le savez, l'Église continue à traverser de nombreux drames partout dans le monde et dernièrement au Nigeria, voilà, où il y a eu un attentat le jour de la Pentecôte, eh bien enlevant la vie à plus de plusieurs dizaines de personnes, dont même des enfants. Eh bien en communion avec le peuple du Nigeria, avec particulièrement les chrétiens là-bas, eh bien nous allons allumer cette bougie qui est un peu comme le signe de la résurrection du Christ. Nous savons que voilà, même Jésus nous a dit de ne pas avoir peur ce qui tue le corps. Alors on va pas avoir peur de cela parce que voilà, on sait où on va, mais on va quand même allumer cette bougie comme signe d'espérance et en soutien pour le Nigeria. Voilà, et nous allons la poser auprès de Saint Joseph, qui est le gardien aussi de l'Église, et nous entrons ensemble dans ce rosaire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous entrons dans les mystères joyeux avec Lucie et nous demandons au Seigneur, eh bien, que sa volonté soit faite. Mais nous avons besoin peut-être d'un miracle pour notre vie dans les situations les plus bloquées. Eh bien, avec Marie, demandons au Seigneur l'impossible. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Et le fruit du mystère, eh bien, c'est celui de la paix.
quelque part, le premier miracle qu'on peut demander au Seigneur, eh bien, c'est la paix pour notre temps, la paix pour notre monde et la paix pour nos cœurs, nos familles. Nous avons tellement besoin de cette paix. Lorsque l'ange, eh bien, vient visiter Marie, il lui donne sa paix, il donne la paix du Seigneur. Et vous savez, le psaume, d'ailleurs, 26 nous dit, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Et même si, eh bien, une guerre éclatait contre moi, mon cœur serait sans crainte, parce que le Seigneur est à mes côtés. Alors, frères et sœurs, puissions-nous, eh bien, reprendre espoir ce soir, laisser là toutes nos peurs, nos craintes, et demander au Seigneur de nous fortifier dans la paix. Il est bon, il veille sur nous, il entend nos prières, alors reprenons espoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer,
et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Oui, grand est le Seigneur, que réjouit la paix de son serviteur. Alors soyons dans la paix. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Fruit du mystère, eh bien, l'amour fraternel. Nous voyons eh bien, Marie et Élisabeth qui se retrouvent. Et ces retrouvailles familiales eh bien, attirent l'Esprit Saint qui vient alors faire exulter la Vierge Marie. Élisabeth également, et c'est une explosion de joie, d'amour fraternel. Frères et sœurs, l'unité d'une famille eh bien, attire l'Esprit Saint, la bénédiction de Dieu. Et nous avons besoin de prier pour nos familles. Et combien peut-être souffrent de cela? Alors ce soir, nous prions pour les miracles. Nous demandons des miracles au Seigneur. Nous prions pour l'impossible. Peut-être des liens ont-ils été brisés. Vous vous dites, ce sera jamais possible de revenir en arrière et jamais possible de, eh bien, de restaurer ces liens. Eh bien non, prions, prions. Parce que par la prière, eh bien, on peut obtenir beaucoup, beaucoup. Alors confions eh bien, vos familles, nos familles divisées, qui souffrent, et demandons eh bien, un miracle, une restauration, un pardon, que sais-je, le Seigneur sait, prions pour cela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus,
le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère joyeux, la naissance de Jésus. Et le fruit du mystère, eh bien, c'est la contemplation. Regarder Jésus, l'adorer comme eh bien, les rois mages, les bergers, tous ceux qui sont venus se prosterner devant le Seigneur, eh bien, ont pu recevoir des grâces immenses. Frères et sœurs, une des grâces que l'on reçoit aussi lorsqu'on adore le Seigneur, eh bien, c'est parfois la guérison intérieure. Parce que eh bien, parfois nous avons des blessures qui date d'il y a très longtemps, et puis aussi chaque jour, hein, il y a toujours des moments où on se blesse les uns les autres. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur panse la blessure de son peuple, il guérit la trace des coups reçus, il est celui vraiment qui guérit les cœurs brisés. Alors, eh bien, remettons au Seigneur peut-être des choses que nous gardons en nous, que nous avons enfouies même avec les années, et exposons cela à sa lumière qui est aussi un soleil de justice qui apporte la guérison sous ses rayons. Demandons-lui une guérison profonde, intérieur, parce que lui seul peut le faire, frères et sœurs. Lorsque notre voiture est cassée, on l'amène chez le mécanicien, lorsque c'est l'ordinateur, eh bien chez Génération Net, l'information net, l'informaticien, et lorsque c'est notre cœur, eh bien il n'y a que notre créateur qui peut le réparer, c'est-à-dire Dieu. Et il est capable, bien sûr, de le faire, et il veut toujours le faire, nous guérir intérieurement. Alors, eh bien Seigneur, nous remettons cela, parfois ça nous semble impossible, et pourtant non, rien n'est impossible à Dieu. Alors Seigneur, viens guérir profondément toutes les blessures de ceux qui nous suivent. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple, et le fruit du mystère, eh bien, c'est l'offrande de ses intentions. Et oui, nous allons pouvoir eh bien, offrir toutes nos intentions personnelles, parce que nous allons prier et nous prions pour cela, demandons à la Vierge Marie des miracles, que des choses impossibles eh bien, puissent se faire par son intercession, des choses qui sont la volonté de Dieu bien sûr. Je pense peut-être à l'obtention d'un travail ou une situation professionnelle très compliquée, bouchée, ou alors eh bien, peut-être est-ce une situation familiale comme on a pu prier. Il y a beaucoup de choses voilà, qui nous semblent parfois impossibles, eh bien confions-le au Seigneur et à la Vierge Marie. Et j'avais aussi cette intention, peut-être que certains eh bien, vivent dans le passé avec eh bien, ce remords, ce regret d'une erreur passée et d'une faute commise. Et alors, ils n'arrivent pas à se pardonner. Eh bien, c'est le moment de remettre tout cela, de se laisser réconcilier avec Dieu par Marie, parce que Dieu est miséricordieux, parce que oui, on ne peut pas revenir en arrière, mais Dieu est capable, eh bien, même de nos erreurs, de faire jaillir un plus grand bien. Alors, soyons vraiment dans l'espérance. C'est une dizaine, nous allons demander aussi particulièrement l'espérance parce que Dieu sait ce dont nous avons besoin. Nous allons lui demander comme des enfants et nous allons récolter. Soyez certains que ce soir les grâces sont là parce qu'on ne peut pas demander et ne rien recevoir. Dieu qui n'est que bonté, qui n'est qu'amour, il a besoin eh bien, pour soulager son cœur qui déborde d'amour, eh bien, de laisser déverser ses torrents d'amour sur nous. Alors recevons avec joie ce qu'il veut nous donner ce soir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce.
le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Et le fruit du mystère, c'est la persévérance sur la route du salut, le chemin que le Seigneur nous indique. Oui, parce qu'on voit Marie et Joseph qui vont chercher l'enfant Jésus pendant plusieurs jours. Ils vont le trouver le troisième jour. Mais on se dit, quelle persévérance. Enfin, je ne sais pas, mais si on s'imagine, hein, nous, perdre un proche et la nuit tombe, on ne l'a pas retrouvé. Et le lendemain, on ne l'a toujours pas retrouvé. Et deuxième nuit, toujours pas retrouvé. Enfin, quelle angoisse. Vraiment, Marie et Joseph ont été éprouvés à ce moment-là profondément. Mais ils ont retrouvé, ils ont persévéré et ils ont retrouvé Jésus. Et alors, quelle consolation. Frères et sœurs, c'est un encouragement pour nous aussi à persévérer dans nos chemins de ténèbres, nos chemins de croix difficiles, lourds, pénibles, parce que la tentation majeure, c'est de se décourager et d'arrêter, tout simplement, de chercher le Seigneur ou de se mettre par terre, parce qu'on est en position debout sur la route spirituelle lorsqu'on est, on avance et on se met par terre lorsque, on se laisse tomber et on n'avance plus. Alors, prions pour toutes les personnes qui peut-être sont dans le découragement, le désespoir, la dépression, qui se sentent incapables de se remettre en marche. Et nous croyons vraiment que le Seigneur est capable de guérir de cela. Il est capable de venir en aide à toutes ces personnes. Vous savez, il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit
Nous sommes aux prises, mais non pas écrasés, harcelés, mais pas terrassés, dans la détresse, mais pas dans le désespoir, combattus, mais pas vaincus. C'est vraiment un appel à la ténacité et à continuer à se battre, soutenus par la force du Seigneur, et c'est ce que nous faisons ce soir, et c'est pour ça que vous êtes là, que nous sommes là, pour demander ensemble au Seigneur sa grâce, sa puissance, sa force, pour pouvoir toujours continuer notre route, et c'est une grande force d'être tous ensemble. Oui, qu'il est bon pour des frères d'être réunis, parce que nous attirons le paratonnerre. Nous sommes comme un paratonnerre et nous attirons la foudre du Saint-Esprit qui va alors pleuvoir et tomber sur nous. Alors reprenons espoir, continuons notre route, le Seigneur est à côté de nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie. Thank you.
Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Rendons grâce à Dieu, vous êtes plus de 6000 en connexion simultanée à offrir ce bouquet de roses à la Vierge Marie, c'est-à-dire plus de 1 million de Je vous salue Marie vont partir en direct, sans compter le replay, donc vous pouvez vous imaginer la joie de la Vierge Marie et les grâces qui vont pleuvoir et les miracles, parce que nous croyons que Jésus ne change pas. Et nous entrons ensemble dans les mystères lumineux avec Jean-Baptiste. Je vous encourage et on vous encourage à continuer ce rosaire. Peut-être vous avez des choses que vous ne pouvez pas continuer, c'est pas grave, on est en communion de prière. Mais si vous n'avez rien de prévu d'urgent, eh bien persévérons dans la prière parce que le Seigneur continue à répandre ses grâces sur nous et vous ne le regretterez pas. Amen. Premier mystère lumineux, le baptême de Jésus au Jourdain. Et pendant cette dizaine, on peut confier spécialement tous nos petits-enfants et tout spécialement tous ceux qui sont en démarche de baptême, qui se posent la question. Eh bien, on te demande, Seigneur, de venir les combler de tes grâces et qu'ils puissent accéder à cette grande grâce qui est le baptême. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Eh bien, bien souvent dans notre vie, quand on manque quelque chose, on se tourne davantage vers Dieu. Tout simplement parce que quand on est, qu'on a tout ce qu'il faut, eh bien, peut-être qu'on compte trop sur nous-mêmes. Et du coup, le Seigneur, de temps en temps, il permet justement qu'on puisse être, on va dire, dépossédé de certaines choses, qu'on se retrouve dans le besoin, tout simplement pour se rapprocher de lui. Alors, je ne dis pas qu'à chaque fois qu'on manque quelque chose, c'est forcément le Seigneur qui l'a voulu, mais vraiment, dans cette situation-là, eh bien, n'oublions pas de lever la tête. Et même quand on se dit, à chaque fois, je manque et je n'y arrive pas, eh bien, continuons, soyons persévérants, rattachons-nous à la grâce de Dieu. Parce que c'est sûr, il agira. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez, priez pour nous. Ô pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, réservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume de Dieu. Et pendant cette dizaine, on va demander tout simplement la grâce de l'écoute et de l'accueil. Parce qu'on pourrait bien entendre parler de la Bible, parler du Seigneur, mais si notre cœur n'est pas ouvert à cette écoute, on va l'entendre, on va l'oublier tout de suite. Donc demandons pendant cette dizaine cette grâce de pouvoir comprendre et de saisir ce que le Seigneur nous dit ce soir. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouissez-vous, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon et doux Jésus, pardonnez-vous tous nos péchés. Préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration de Jésus. Et pendant cette dizaine, de la même manière que Jésus a été transfiguré, laissons-nous transfigurer par sa grâce. C'est un peu comme cette image au final d'une lumière. Mais la lumière, si elle est éteinte, on voit que c'est un endroit où il pourrait y avoir de la lumière. Et à partir du moment où elle est allumée, ça change tout. C'est, pourtant, c'est la même réalité. Mais quand l'électricité passe, ça change tout. Un chrétien, c'est exactement la même chose. Quand on laisse passer la grâce, ça change tout. Les autres s'en aperçoivent. Et surtout, ça permet de propager cette lumière. Ce n'est pas une lumière qui est juste donnée pour nous. Et c'est tout. C'est tout simplement qu'on soit des chrétiens heureux et des témoins heureux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Et frères et sœurs, nous avons l'habitude le dimanche d'aller à la messe. J'étais en train de réfléchir et je me suis dit que, au final, cette messe, ce n'est pas un distributeur automatique comme on pourrait mettre une pièce et avoir un bonbon. On est content sur le moment et quand on revient dans notre semaine, au final, on a oublié ce qui s'est passé le dimanche. On a oublié qu'on a communié au corps et au sang de Jésus. Et au final, c'est le centre de notre vie chrétienne, on le dit souvent, mais au final, est-ce que dans notre vie, de temps en temps, on ne va pas par habitude, on ne communique pas par habitude, et en fait, on oublie le centre. On oublie que c'est Jésus réellement, et qui est là, et qui doit être vraiment le centre de notre vie. Et bien, pendant cette dizaine, on va méditer justement sur la Sainte Cène. On va demander au Seigneur cette grâce de que la prochaine communion, on puisse le vivre avec tout notre amour, tout notre cœur pour le Seigneur, pour tout simplement lui dire merci. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, et béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Merci Seigneur, nous finissons les mystères lumineux. D'ailleurs, que le Seigneur vous accorde toutes les lumières dont vous avez besoin pour vos vies personnelles. Et nous entrons dans les mystères douloureux avec Bénédicte qui va méditer. Je vous encourage bien sûr à continuer à prier. Je vais vous partager un verset que peut-être vous ne connaissez pas, c'était la transfiguration. Jésus y était, mais il y a un verset qui est très fort dans Luc chapitre 9, verset je crois 29, si je ne me trompe pas, il est écrit « Il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre. » Il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre. Lorsque nous prions, frères et sœurs, la grâce, la gloire de Dieu devient même visible sur nous, même sur notre regard, sur notre visage, la lumière de Dieu est là. Donc, continuons à prier. Peut-être vous avez une intention pour un malade, une guérison, c'est un miracle que vous demandez, c'est impossible à la science. Peut-être c'est une réconciliation familiale, un travail. Dieu sait, vous savez votre situation, mais nous allons auprès de celui à qui tout est possible, Jésus-Christ. Alors, avec Marie, entrons dans ces mystères de la douleur que Jésus a portée par amour pour nous. Amen. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus à Gethsémani. Et c'est le moment où Jésus a commencé sa passion, c'était au Jardin des Oliviers, et où sa sueur est devenue comme du sang. Et il y a un passage dans le psalmiste qui parle de la souffrance, voilà, qu'aurait pu vivre Jésus à ce moment-là. Pitié Seigneur, je dépéris. Seigneur, guéris-moi, car je tremble de tous mes os. Et Seigneur, c'est par amour que tu as fait ce choix de souffrir pour nous. La parole de Dieu dit aussi que tu es devenu vraiment cet homme de douleur. Eh bien, Seigneur, dans cette souffrance, tu veux nous montrer que
Voilà, notre espoir doit être placé en toi. Alors Seigneur, fais grandir en nous l'espérance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon beau et doux Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Il y a ce passage qui dit « Dans mon dos, les laboureurs ont creusé les sillons. » Et on peut se demander, mais quel est celui qui a souffert pour nous ? Quel est celui qui a souffert le châtiment à notre place et qui s'est fait pour nous notre bouclier, notre rempart ? C'est notre Dieu qui nous aime. Alors Seigneur, augmente en nous l'amour pour toi.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez, priez pour nous. Oh, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Voilà que Jésus se fait couronner d'épines
qu'il se fait moquer, qu'il devient vraiment... sur lui tombe l'opprobre et la honte. Il est humilié. Et la parole de Dieu nous dit que, au contraire, le Seigneur nous couronne d'amour et de tendresse. Il a pris eh bien notre honte et lui, eh bien, il nous donne sa couronne à lui, ce roi serviteur. Seigneur, nous te demandons eh bien la grâce de l'humilité pour mieux te ressembler. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et Jésus, le fruit de tes
et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. La parole de Dieu nous dit, c'est même Jésus qui nous dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai. » C'est-à-dire que Jésus ne veut pas qu'on porte nos fardeaux à longueur de journée et qu'on se les traîne. Il veut les prendre pour nous donner son joug qui est léger. Alors ce soir, nous pouvons lui remettre tous nos fardeaux, toutes nos peines, afin que on puisse faire un échange et qu'il puisse nous donner la grâce de ce poids plus léger, ce soulagement. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Cinquième et dernier mystère douloureux, le crucifixion et la mort de Jésus sur la croix. Voilà, c'est le moment où Jésus eh bien, rend son esprit. Et peu de temps après qu'il ait rendu l'esprit, il est écrit que un soldat a plongé sa lance dans son cœur et que son cœur a été transpercé. Oui, son cœur a été transpercé à cause de nos péchés. Et le Seigneur, vraiment son cœur s'est ouvert. Il a ouvert son cœur pour que nous puissions y trouver notre refuge. Et demandons, particulièrement en ce mois du Sacré-Cœur, ce mois de juin, un plus grand amour pour le cœur de Jésus, une plus grande dévotion à ce cœur qui a tant aimé le monde. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Et nous terminons les mystères de la douleur et nous entrons dans les mystères de la gloire. Ce même Jésus crucifié, eh bien, va ressusciter et nous entraîne avec lui de gloire en gloire. Alors, nous sommes arrivés bientôt au bout de ce rosaire, c'est les derniers mystères, donc je vous encourage à persévérer et nous entrons ensemble, eh bien, dans ce premier mystère de la gloire, la résurrection de Jésus-Christ. Je vous propose dans ce mystère où nous méditons sur la résurrection du Christ, eh bien, de demander au Seigneur, par Marie, un miracle pour toutes les personnes malades. Peut-être vous qui suivez ce chapelet, tous ceux qui ont des pathologies incurables, héréditaires, dégénératives au niveau neurologique, peut-être des cancers, etc. Tous ceux qui souffrent physiquement. Imaginez-vous la puissance qui s'est déployée pour ressusciter le Christ d'entre les morts. Ce Jésus qui a été flagellé, couronné d'épines, puis crucifié. Imaginez l'état de son corps. Imaginez la puissance de vie qui s'est déployée en lui pour le remettre à la vie et lui donner un corps glorieux. Vous vous rendez compte? Eh bien, on va demander par Marie que cette même puissance qui a ressuscité le Christ puisse vous impacter maintenant, vous visiter âme, corps et esprit. Amen. Merci Seigneur, nous te confions toutes nos personnes malades. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. À nouveau, je vous salue, Marie. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant. Au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Merci Seigneur pour toutes les grâces de guérison accordées, aussi la force pour ceux qui peut-être ne seront pas guéris. Jésus a rejoint tout le monde. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de notre Seigneur Jésus. Et je vous propose dans cette dizaine, bien que nous puissions demander par Marie un miracle pour tous ceux qui souffrent de pathologies psychiatriques, de souffrances psychologiques, de blessures affectives, de blessures même spirituelles intérieures en fait. Et nous allons demander au bon médecin aussi des âmes, des esprits, d'agir, de poser sa main et de délivrer tous ceux qui souffrent de cela. Vous avez vu l'ascension, il y a quelque chose de très beau, c'est qu'ils ont les yeux rivés vers le ciel. Lorsque la désespérance arrive, lorsque l'esprit de mort nous atteint, peut-être même tous ceux qui ont des idées noires, des idées suicidaires, il se produit quelque chose que on commence à regarder vers le sol, vers la terre, on se recroqueville et on se ferme. On va demander cette grâce, par l'Esprit Saint, ce miracle, que toutes ces personnes puissent de nouveau, avoir l'espérance du ciel, être touchées, délivrées et guéries, comme on l'a dit, dans leur esprit, dans leur pensée, dans leur psychologie. Merci Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Gardons nos yeux levés vers Dieu toute notre vie. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Dieu nous a envoyé l'Esprit de sainteté pour que nous ne soyons plus soumis à n'importe quel esprit, et encore moins à l'esprit du monde et à l'esprit du mauvais, les démons. Alors dans cette dizaine, on va demander un miracle de délivrance. Que l'Esprit Saint puisse avoir l'autorité sur notre vie, l'autorité dans notre être intérieur et même physique, l'autorité dans notre famille, l'autorité dans notre travail, l'autorité dans toutes nos relations. Nous allons demander et même nous soumettre avec obéissance et amour à Dieu pour que nous ne soyons plus soumis à un autre esprit qui veut notre mort. Alors, eh bien, si vous avez besoin d'une délivrance en ce moment, c'est le moment de vous tourner vers Dieu. Il y a une phrase très forte, avant que Jésus ressuscite la fille de cet homme, de Jaïr, tout le monde veut lui dire, t'inquiète, ne l'embête plus Jésus, elle est déjà morte, c'est fini pour toi. Et Jésus va lui dire cette phrase énorme, sois sans crainte, crois seulement, et elle sera sauvée. Eh bien, je vous dis la même chose. C'est le Seigneur qui nous le dit, la foi est importante. Alors, Seigneur, que dans cette dizaine où nous t'invoquons, Esprit de Dieu, pour que toi, tu sois le maître de nos vies, nous te demandons une foi ferme, afin que aucune entité mauvaise ne puisse encore régner dans notre vie et que nous soyons libres en toi. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Et pour ceux qui peuvent douter qu'une délivrance peut se faire à distance, n'oubliez pas ce que Jésus a accordé à cette femme syrophénicienne dont la fille était possédée et elle était chez elle lorsqu'elle a supplié Jésus, lui a dit « Vas-y ». Elle a retrouvé sa fille libre de ce démon. C'était à distance. Ne limitons pas la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Vierge Marie. Je vous propose dans cette dizaine que nous demandions le miracle des miracles. Et bien que nous puissions suivre Marie sur ce chemin de sainteté et que nous aussi, nous puissions devenir saints et saintes, que nous soyons libres à l'égard du péché. Quel grand miracle! Quel grand miracle que Jésus-Christ soit tout en nous comme il a été tout en sa maman, la Vierge Marie. Et elle l'a suivi là où elle est, là où il est. Donc on va demander cette grâce. Si vous avez des péchés habituels, des péchés qui sont comme encroutés en vous, eh bien on va demander le miracle, que ça soit, je ne sais pas si ça dit décrouté, qu'on soit libre à l'égard du péché. Frères et sœurs, croyez-le, il est venu pour ça, c'est sa réjouissance. Il a dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, alors nous sommes certains de l'avoir. N'est-ce donc pas sa volonté, lui qui a dit, vous serez saints parce que je suis saint, ou encore soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, donc il le désire ardemment. Alors demandons-lui avec une foi ferme, et nous l'obtiendrons. Amen. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles
et est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Et avant d'entrer dans ce dernier mystère, peut-être certains se disent « Oui, mais du temps de Jésus, c'était différent. C'était lui, il était là, physiquement, sur la terre. » Eh bien, frères et sœurs, l'Écriture nous répond à cette rétorque, à cette interrogation. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles. C'est-à-dire que le même Jésus qui avait 2000 ans, ben, c'est le même encore aujourd'hui. Ce qu'il faisait hier, il le fait encore. Et lui-même va déclarer « Ceux qui croient en moi feront non seulement les œuvres que j'ai faites, mais ils en feront même de plus grandes que Jésus-Christ. Vous vous rendez compte de ce que Jésus déclare ? Alors oui, ne le limitons plus, ne laissons-le agir pleinement dans son Église et dans nos vies, parce que c'est plus grand que tout ce qu'on peut espérer. Cinquième et dernier mystère glorieux, le couronnement de Marie.
Et frères et sœurs, on a tellement demandé à Dieu et on a tellement reçu. Et on est certain que personne n'est passé à côté d'une grâce. C'est pas possible. Je peux vous dire que le meilleur sniper, c'est le Seigneur. Lorsqu'il a quelqu'un en cible, il ne le rate jamais. Alors je peux vous dire, frères et sœurs, en plus, quand vous vous exposez avec un rosaire comme ça, soyez certains que ça va être vraiment une grâce et une grâce et encore une grâce. Mais ce que je veux vous dire, je vous propose, Marie est couronnée reine du ciel. Vous imaginez la Trinité qui couronne Marie, les anges qui tourbillonnent de bonheur d'accueillir au paradis leur reine, cette maman merveilleuse. Je vous propose, mitraillons le chat, mitraillons les commentaires de mots d'amour pour Marie. Offrons-lui une couronne, nous aussi. Qu'est-ce que tu peux lui offrir? Un mot d'amour, un je t'aime, ton cœur, ta famille, que sais-je, ce que tu veux, mais ce que tu as sur le cœur. Et bien voilà, et fais-le avec un acte de foi. Je peux te certifier que Marie va le recevoir comme une couronne de tendresse et d'amour. Alors Marie, cette dizaine, elle est pour toi. Fais-en ce que tu veux. Tu as champ libre, comme toujours. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, ô Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est
maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Vierge Marie, nous te remercions pour ta prière avec nous, pour ta présence. En ce jour, nous voulons d'un seul cœur nous offrir à toi en sacrifice de consolation pour que tes larmes sèchent, que ton sourire apparaisse, que les âmes puissent être sauvées et remises à Jésus-Christ, et que Jésus puisse être glorifié sur cette terre comme dans le ciel. Frères et sœurs, si vous le désirez, si vous désirez offrir votre vie à Marie en sacrifice de consolation, en s'offrant à elle, vous êtes tout offert à Jésus-Christ, notre fin, bien je vous invite à répéter cette petite prière après moi. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, aujourd'hui, aujourd'hui, devant le ciel et la terre, devant le ciel et la terre, je m'offre en sacrifice de consolation. Je m'offre en sacrifice de consolation. Au cœur immaculé et douloureux de Marie. Au cœur immaculé et douloureux de Marie. Je lui offre ma vie. Je lui offre ma vie. Pour sécher ses larmes. Pour sécher ses larmes. Je lui offre ma vie. Je lui offre ma vie. Pour voir son sourire. Pour voir son sourire. Je lui offre ma vie. Je lui offre ma vie. Pour que les âmes soient sauvées. Pour que les âmes soient sauvées. Je lui offre ma vie. Je lui offre ma vie. Pour que Jésus soit glorifié. Pour que Jésus soit glorifié. Je lui offre ma vie. Je lui offre ma vie. Pour être tout à lui. Pour être tout à lui. Jésus-Christ, mon Sauveur. Jésus-Christ, mon Sauveur. Mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Tournons-nous vers Saint Joseph. Saint Joseph, nous nous tournons vers toi avec confiance. Prends soin de nos familles, ainsi que de nos besoins matériels et spirituels. Nous savons que tu nous entends et nous te remercions d'avance. Amen. Notre-Dame, Mère de la Lumière. Priez pour nous. Notre-Dame des Victoires. Priez pour nous. Saint Joseph. Priez pour nous. Sainte Thérèse de Lisieux. Priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Priez pour nous. Tous les saints et les saintes de Dieu. Priez pour nous. Nos saints anges gardiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, frères et sœurs, permettez-moi, avant qu'on se quitte, alors que vous êtes plus de 6200 en connexion simultanée, une petite folie. Qu'on puisse terminer en disant à Jésus combien nous lui faisons confiance. C'est lui qui dispose des merveilles, des miracles. Il donne à chacun comme il l'entend. Il attend bien sûr notre prière et notre foi. Mais terminons en lui disant cette phrase sublime, « Jésus, j'ai confiance en toi. » Eh bien, je vous propose qu'on termine ce rosaire avec une dizaine supplémentaire de juste « Jésus, j'ai confiance en toi. » Qu'on puisse lui dire 10 fois ensemble, avec Marie d'un seul cœur, « Jésus, j'ai confiance en toi. » Et je me permets une autre folie. Tiens, Jean-Marc. On va prendre la belle icône de notre Seigneur Jésus. Sacré-Cœur, en ce mois du Sacré-Cœur, que je viens de penser d'ailleurs. Ouais, c'est donc clair. Ces folies sont peut-être même inspirées parfois. Hop. Alors, pour que l'on vous voie bien son Sacré-Cœur et son doux visage. Voilà. Comme ça, vous voyez que... Voilà. Eh bien, prions cette dizaine de « Jésus, j'ai confiance en toi ». Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Amen. Il est beau notre Seigneur, il est grand. Je laisse Jésus avec Marthe. Et puis, rendons grâce à Dieu. Vous étiez plus de 6200 en connexion simultanée ce soir. Et nous avons demandé au Seigneur, eh bien, de nous accorder les miracles dont nous avons besoin pour nos vies.
Et en parlant de miracles, ne partez pas sans regarder l'interview témoignage du père Élie qui est ici et qui est lui un multi-miraculé. Capitaine de l'armée libanaise en pleine guerre, dans les agents secrets. Plusieurs fois, on a essayé de le tuer. Les snipers, sa maison a été détruite. Une histoire incroyable, il a même dû se planquer habillé en prêtre. Finalement, il arrive en France, là, une voiture le fauche à 70 km/h. Il était piéton, il se retrouve dans le coma. Mais on se dit, mais c'est pas possible. Il est miraculé de la guerre pour être écrasé comme un chien. Vous vous rendez compte où est la foi, où est le bon Dieu? Et il va revenir à la vie avec la prière, voilà, de toute sa famille, une histoire incroyable, jusqu'à ce qu'il voit un jour la Vierge Marie à Medjugorje et quelques temps plus tard reçoive l'appel à la prêtrise. Une histoire digne d'un film hollywoodien, mais c'est une histoire vraie et je peux vous dire que ça redonne l'espérance. Le lien de cette émission est dans le chat pour vous qui êtes en direct. Et si vous êtes en replay, regardez dans les commentaires de la vidéo YouTube ou la description, vous avez aussi le lien. Partagez autour de vous parce que je peux vous dire que beaucoup de personnes attendent de voir les merveilles de Dieu. Merci pour vos likes qui diffusent la vidéo largement et ça touche des cœurs, c'est pour évangéliser. Et gloire, gloire, gloire à Dieu. Je laisse au Père Elias le dernier mot. Il va nous bénir de la part de notre Seigneur. Amen. Abouna, merci. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. Amen. Comme Alberto a dit, donc, Marie est présente. Et comme Marie est présente, Jésus est présent aussi. Il faut bien croire en ça et ayant toujours confiance que Jésus agit à tout instant. Et moi, par la grâce que Dieu m'a accordée, sans mérite, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Eh bien, je laisse la dernière parole à Jean-Baptiste et on va vous dire un petit au revoir avec tous ceux qui ont prié. Amen. Bon appétit, de grâce et toutes les grâces. Exactement, belle émission. On se donne rendez-vous demain soir 19h30 pour le prochain chapelet. Soyez bénis et on reste unis dans la prière. Soyez bénis. À demain.